Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle Degusta Box. Yay! À chaque fois j'essaie de le soulever mais ça sert à rien parce qu'il est tellement lourd que... Ah, voilà. Donc j'ai reçu la Degusta Box du mois de juillet et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Alors on commence tout d'abord par ceci. Ça c'est qu'est-ce que c'est? Ça c'est des petits savanes, voilà, fourrés au chocolat et c'est nouveau, sans huile de palme. Ça a l'air bon. Ça a l'air très très bon. Ça a l'air plus que bon. C'est bon. C'est bon. Ensuite, j'ai quelque chose qui plairait vraiment, qui plaira vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à ma maman. Il s'agit de le sucre couscous facile. Alors, d'habitude, elle prend toujours le couscous d'Ali avec choumicha dessus. Mais là, j'espère que ça va lui faire plaisir. Elle va dire, oh, c'est génial et tout. Oh, franchement, c'est bien. Parce que, par contre, est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il ne colle jamais? Ma mère, vous inquiétez pas, c'est la technique du couscous qui colle jamais, qui est toujours moelleux. Voilà. Il y en a beaucoup. Bon, ouais. Ensuite, un autre truc que j'ai reçu, c'est de la marque Francine. C'est ma pâte simple et rapide. Ça se présente comme ceci. Alors, je n'ai jamais fait de pâte à tarte. En fait, je l'ai toujours préacheté. Je trouvais que c'était beaucoup plus simple. Mais là, s'ils disent que c'est simple et rapide, pourquoi pas essayer. La dernière fois, je n'ai pas précisé les prix en fait, parce que j'ai pas précisé les prix. Et en fait, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans les centres commerciaux, hein, toujours dans les centres commerciaux. Le petit savane faisait 1,66€. Le sucre faisait 1,80€. Et ça, il fait 1,70€. Ensuite, on a, comme d'habitude, alors, j'ai tout simplement demandé à la Degusta Box au niveau de l'alcool. Mais le truc, c'est que comme je suis youtubeuse et que c'est... En fait, ils me l'envoient gratuitement pour que je le présente sur ma chaîne YouTube. Pour les youtubeurs et pour les blogueurs, il n'y a pas... En fait, on peut pas faire sans alcool ou avec alcool. Donc, on peut pas faire de préférence. Donc, c'est pour ça que je reçois toujours... dans la Degusta Box de l'alcool, même s'il ne boit pas. En tout cas, celui de juin que j'ai fait, en tout cas le mois dernier quand j'ai eu les bières, ça a fait vraiment vraiment plaisir à mes collègues. Et voilà, encore un autre cadeau à mes collègues, je suis tellement sympa. C'est ça, il s'agit de cidre. Donc ça c'est encore une fois de l'alcool, je crois que c'est du cidre, voilà. Je sais pas, je ne les connais pas du tout, donc si mes collègues me regardent en ce moment, voilà, Samia reviendra des vacances les mains pleines. On a ceci, c'est du, c'est marque Soja Sun, et en fait c'est du soja et de la coco, voilà, du boisson soja, tout simplement. Il fait 2,19€ celui-là. Moi le soja c'est quelque chose que j'ai pas trop aimé, même si j'ai essayé pour avoir une alternative au lait, parce que je déteste le lait, je suis pas intolérante au lactose, mais je déteste le lait, ça m'écœure clairement et j'en bois jamais. Si c'est mélangé avec d'autres produits pour faire un gâteau ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, je le mange, mais il n'y a vraiment pas de souci. Mais le lait que tu me verses tout court dans mes céréales ou quoi que ce soit, eww, ça j'arrive pas. Donc j'ai essayé le soja, j'ai pas trop aimé, mais j'ai beaucoup aimé le lait d'amande. Mais celui-là c'est avec de la coco, donc c'est peut-être mieux. Mais dans l'eau. Ensuite j'ai reçu ces deux baby de Joker bio. En plus de cela, c'est vendu par pack de 4 et ça vaut 3,60€, soit 4,90€, hein, si mes calculs sont bons. Bon bref, voilà. Et j'en ai reçu un orange sans pulpe. Ça c'est génial parce que j'aime trop l'orange sans pulpe. Et multifruit. On va goûter le multifruit.
C'est super bon. Et en plus, c'est bio. C'est deux fois plus bon. Oh, oh, des muffins. Ensuite, j'ai reçu ceci. Ah, oh, putain. J'ai cru que c'était de la sauce soja. J'ai dit, ils ont tout compris. J'avais exactement besoin d'acheter de la sauce soja. Ils m'ont envoyé ça, mais non, c'est pas de la sauce soja. Mais c'est une sauce que j'aime aussi beaucoup. Et attends, j'avais pas le goût. Ça, c'est bien emballé dans du papier bulle. De la sauce Huangshin. Voilà, la fille sait super bien parler chinois, je crois. Alors, c'est la sauce. C'est en fait une sauce sa taille. Et c'est parfait en fait pour les brochettes, pour le barbecue, pour mariner avec la viande et le poisson. Voilà. Et ça, c'est entre 2,48€ et 2,60€ dans le commerce. Bon, on va faire ça. Ensuite, j'ai reçu ceci. C'est quelque chose en plus que je ne mange pas. Mais je sais qui en mange. Non! No way! Ah, oh, trop bien! Parce qu'en fait, quand j'ai vu ça, pour tout à fait, quand j'ai vu ça, j'ai vu bolognaise, mais je vais pas la manger parce que je ne mange pas la viande qu'il y a dedans. Mais quand j'ai vu bolognaise veggie, oh my god! C'est trop bien! C'est de la bolognaise en fait, ils ont remplacé la viande par des légumes. Yeah! Ça, c'est génial! Franchement, c'est trop trop bien! Je savais pas que ça existait ça! Ah ben c'est nouveau, c'est pour ça. C'est nouveau et ça vaut 1,99€. Dedans il y a des morceaux de tomates, des légumes, des oignons, des carottes, protéines végétales de soja, huile de tournesol, sucre, sel et maïs et voilà. C'est trop bien, c'est trop bien. Vraiment, je vous fais un close-up comme ça au moins. Si vous voulez essayer pour les personnes qui sont végétariennes ou qui mangent halal. J'ai reçu deux petits trucs comme ça. Ce sont des barres céréales à mon avis. Ce sont des barres, voilà, des super barres. Voilà, revitalisant et antioxydant. Donc je vais pas goûter devant vous. Voilà, mais c'est chouette. Et ensuite j'ai reçu ça. J'ai qu'une envie, c'est de le boire. Ça a l'air tellement bon. C'est infusé à jardin bio. Et moi, ce que j'ai reçu, c'est thé vert ananas. Seulement 13 calories. Thé vert ananas, à boire très frais. Je m'en fous, je vais le boire maintenant. Ouais, je comprends le à boire très frais maintenant. En fait, je pense que mon corps, mes goûts, tout, sont tellement habitués à recevoir du sucre. Que je suis en train de me dire, putain, il n'y a pas de sucre, mais ça va, c'est buvable. Et enfin, pour faire notre grosse absolument, ça me rappelle vraiment Londres. Parce que ça, vous pouvez trouver partout des trucs comme ça, à Sainsbury, à Tesco, voilà. Et je crois que c'est d'ailleurs, c'est pas anglais ça? Là, il y a un truc comme ça. Ce sont tout simplement des cupcakes. Alors, c'est 2,49€. La boîte de 2 et moi j'ai eu la yummy chocolate qui se présente comme ceci. Waouh! Hey! Bon, bien sûr, le chocolat fondu est magnifiquement bon. Waouh, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est super bon. Je peux pas m'arrêter. C'est terminé. En tout cas, merci encore à Degustabox de m'avoir envoyé cette box. Elle est comme d'habitude génialissime. Si vous voulez revoir, je vous mettrai en barre d'infos toutes les infos pour vous procurer cette box qui est super bien. Voilà, et si vous voulez revoir la box que j'ai reçue précédemment, vous avez aussi ça en barre d'infos où vous pouvez cliquer sur le petit i
qui s'affiche à mon avis juste là. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Moi je vais aller continuer mon cupcakes parce qu'il m'attend.